1,150 milliard de francs CFA découverts par la police économique au titre des ressources additionnelles pour le remboursement des souscripteurs des sociétés d'agro-business. Ce qui amène l'administrateur séquestre à lancer cet appel à l'attention des souscripteurs. Nous invitons l'ensemble des souscripteurs à pouvoir se faire enregistrer sur le site agrobusiness.ci de sorte de nous permettre, je vais dire, de pouvoir clôturer au moins l'enregistrement des souscripteurs au titre des plaintes réclamations et également l'enregistrement des souscripteurs au titre des retardataires. Et aujourd'hui, la date que nous avons retenue, ensemble avec les représentants des souscripteurs lors de notre séance de travail de la semaine dernière, c'est la date du 20 août 2017. Nous encourageons les banques à poursuivre le processus puisque c'est auprès d'elles que les souscripteurs se présentent. L'opération de remboursement des souscripteurs au prorata des sommes disponibles sur les comptes des sociétés d'agrobusiness se poursuit dans 16 banques. L'administrateur séquestre fait le point 6 mois après le lancement du processus. Sur les 48 296 souscripteurs que nous, on a planifié en remboursement, on a aujourd'hui 17 400 souscripteurs qui représentent à peu près un tiers des souscripteurs qui ont été enrôlés par les banques et qui s'attendent à être payés à hauteur de 13 523 194 778 francs. Donc sur les 17 400, il y a 11 382 souscripteurs qui ont effectivement été payés. Donc ça représente 23,57% des 48 296 souscripteurs que nous avions programmés. 48 296 personnes sont concernées par le phénomène d'agro-business. Elles ont investi plus de 100 500 millions de francs CFA, dont plus de 24 500 millions saisis sur les comptes des sociétés d'agro-business par le gouvernement en janvier dernier.